Dans un décret rendu public dans la soirée de ce lundi, 11 novembre 2019, le président Alpha Condé a fixé les élections législatives au 16 février 2020. Cette date avait précédemment été proposée par le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, Maître Amadou Salif Kébé. Mais, les leaders de l'opposition avaient déjà réclamé le départ de ce dernier. Seloud Alain Diallo, président de l'UFDG, et Sidia Touré, président de l'UFR, ont pointé du doigt une position partisane du président de la CENI qu'ils jugent désormais illégitime à la tête de l'organe électoral. Finiront-ils par laisser Salif Kébé piloter l'organisation des élections législatives ?